Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je pense que Studio Rack est le meilleur plugin gratuit. Souvent, quand on parle de Studio Rack, il y a les presets qui nous viennent en tête. Bah c'est carrément vrai, c'est vraiment le meilleur outil pour créer des presets. Les presets, on entend souvent du mal à droite, à gauche. Oui, si vous utilisez des presets, vous aurez pas des bons résultats, les presets c'est pas du mixage. Peut-être, si les presets sont mal faits, mais s'ils sont bien faits, on peut très bien avoir des résultats. Les gens sont beaucoup trop élitistes. Ils pensent que n'importe quel artiste qui se mixe lui-même peut apprendre le mixage entièrement pour mixer ses voix. Bah c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours les moyens d'aller en studio et on n'a pas toujours autant de temps à investir pour apprendre. Le mix. Donc bah, qu'est-ce qu'on fait On achète des presets ou on en crée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parlais de Studio Rack et vraiment de toutes les fonctionnalités pour montrer que c'est vraiment un super outil qui est gratuit et avec lequel vous pouvez faire des super choses. Donc tout de suite on va arriver sur la session. Alors j'ai repris le, la session de le mix une voix comme Rally, donc qui est hop, on va éteindre le studio rack pour l'instant, qui est ceci. Et que ça peut jouer bien le rôle. D'accord Et on va se baser un peu sur cette portion de voix pour expliquer un petit peu ce que c'est Studio Rack. D'abord, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est exactement, eh bien, en fait, c'est un rack dans lequel on va pouvoir mettre des plugins. D'accord Comme votre rack, par exemple, si vous utilisez Studio One, ici, tac, on va mettre tous les plugins qu'on veut, machin, on va mettre les plugins en chaîne. D'accord Eh bien, Studio Rack, c'est. Grosso modo, la même chose. Sauf qu'il y a des petites particularités. Ça veut dire que déjà de base, Studio Rack, c'est un plugin qui marchait qu'avec Waves. Qu'avec les plugins de Waves, maintenant, c'est ouvert à tous les plugins. Si vous voulez ouvrir un Fab Filter dans votre Studio Rack, vous pouvez. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante qui avant n'était pas possible. C'est pour ça que je faisais uniquement des preset waves. Maintenant, pourquoi alors, si je dis que c'est la même chose, pourquoi ne pas utiliser directement celui de, de Studio One Bah tout simplement parce que déjà, ici on va pouvoir faire des trucs en parallèle. Alors Studio One aussi, on peut faire des trucs en parallèle, mais vous pourrez garder le même workflow en fait, peu importe le logiciel que vous utilisez. Je sais que par exemple sur FL, le truc en parallèle, souvent il y a des augmentations de volume quand on tourne la roue et tout. C'est pas toujours évident de faire des bus avec des reverbs qui soient bien calibrés. Ici, c'est tout simple, vous rentrez, vous mettez parallèle split, boum, c'est split en parallèle, vous mettez votre effet, et ici vous venez doser tout simplement la quantité d'effets que vous envoyez. C'est tout simple. Donc ça, c'est une des raisons. Maintenant, il y a une autre raison, c'est qu'on peut créer ce qu'on appelle des macros. Donc les macros, en fait, c'est des boutons automatisés qui vont venir bouger plusieurs boutons en même temps avec l'utilisation d'un seul bouton. Par exemple, je m'explique. Ici, j'ai un bouton proximité. Ça, j'ai fait le preset uniquement pour, pour la vidéo, pour vous expliquer que ce soit bien clair. Ici, on peut voir qu'ici, ça apparaît en rouge. Ça veut dire que quand je vais monter mon bouton, ça, ça va monter. Et ici... Quand je vais monter mon bouton, ça, ça va monter, ça, ça va monter, et ça, ça va descendre. On regarde tout de suite visuellement ce que ça donne. D'accord Je bouge que le bouton ici à gauche, proximité, d'accord Et on voit que tout de suite, boum, on vient avoir des résultats. Mais ça fait autre chose, ça bouge aussi ceci. Donc ici, quand je bouge ça, ça bouge. Hop, on va les link ensemble, ça bouge donc. Ça, ça, et ça bouge, ça et le gain. Donc quand on monte, on voit, tac, directement, ça atténue les basses fréquences et ça vient rééquilibrer le gain pour pas qu'il y ait de, de voix qui soit d'un coup et plus de volume. Donc on garde toujours la même volume. Ensuite, on peut mettre des boutons de compression pour compresser, d'accord Ou on règle notre compresseur et en bougeant le bouton, et bien tout simplement on vient doser le taux de compression. On peut faire euh, comme je vous l'ai dit du parallèle. Donc bah, tout de suite, on va écouter un peu les différents effets. On va se mettre comme ça pour l'instant. On va écouter par exemple mon bouton proximité ce que ça donne. Il faut un pont vert de rame que je fasse le tour d'Europe et que pute, bien le rôle. Je suis là pour la rare et la je... D'accord, en bougeant ça plus ça, en fait, on obtient un résultat où ça va venir nettoyer notre voix. On réécoute 100. Sans... Il faut un pont vert de rame que je fasse le tour d'Europe et c'est bien le rôle. Je là pour la rare et rôle, et j'opère pour la fafa, donc je la et la roman. D'accord On change un peu le taux de proximité, on enlève les basses fréquences qui sont gênantes et qui sont souvent un peu étouffées. Donc là, ce que j'entends, c'est que je vais devoir rajouter de toute façon un petit DSR derrière parce que c'est un peu aggro. Directement, je peux mettre là-dedans. Mais le bouton de mon DSR, je pourrais faire ça. Tac, le link ici, et avoir un bouton directement DSR. Qui fait que maintenant, à partir du moment, et d'ailleurs on va l'éditer dans les macros. Alors il est où mon petit DSR ici On va l'inverser. En l'éditant dans les macros, tac, on peut voir que là il a zéro. Et en bougeant ce bouton, je bouge mon DSR. D'accord, donc ça, bouton DSR, bouton compression, on écoute. Et que plus bien le Là, j'ai fait un truc pour que ça calibre, pour que la compression, en fait, on entend de la compression, mais ça reste toujours à même volume. Donc ça c'est une petite technique qui est assez cool. Et maintenant, je vais vous parler un peu des deux derniers effets. Donc, on a l'effet parallèle. Donc ici, on voit que j'ai mis un flanger. Quand on le lance. D'accord, le bouton fait agir le bouton du flanger. Un pont de RAM, je on entend les tout tours de suite joe bien le rôle Et temporel on va voir que ça va faire bouger les deux boutons pour un pont vert de rame que je fasse le tour d'Europe Joe bien le rôle donc une réverbe valala et un delay donc h delay pour un pont vert de rame que je donc quand je combine qu un tout un pont vert de rame que je fasse le tour d'Europe excépedio bien le rôle je suis là pour la rare et le... On voit qu'en deux clics, deux trois clics, on a vraiment un résultat qui est cool. Maintenant, je vais vous parler d'une des fonctionnalités qui est hyper intéressante dans Studio Rack parce que il y a très peu de logiciels qui peuvent faire ça. Studio One peut, mais ils ne peuvent pas tous. C'est le band split. En fait, multi-band split, tout simplement, vous allez pouvoir prendre votre signal et le split en plusieurs bandes par rapport aux fréquences. Donc par exemple, là de 0 à 100, je vais pouvoir mettre des effets. De 100 à 500, je vais pouvoir mettre d'autres effets. De 500 à 4000, et on peut bouger évidemment la fréquence, d'accord On choisit la fréquence qu'on veut. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on va pouvoir pouvoir rentrer dans des trucs vraiment personnalisés. Par exemple, ici, euh, entre, 400, entre 4000 pardon, et 8000, moi j'ai envie de DS. Par exemple, je vais enlever le DSR, j'ai envie de DS. Et bah, je mets le DSR juste sur cette tranche. Et même si je mets la fréquence à 2000, peu importe la fréquence qu'on choisit, en fait, ça va DS uniquement la tranche de 4000 à 8000. Donc ça, c'est un DSR, vous allez me dire, ok, les DSR, ça peut déjà le faire de base. D'accord. D'accord, ça peut le faire de base, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il y a un truc qu'on peut pas faire de base, c'est par exemple venir mettre un LA2A sur la tranche de 100 à 500. Ça veut dire que là, j'ai transformé mon studio rack en un compresseur multiband avec un compresseur qui apporte de la couleur. Souvent les multibands, c'est transparent. Ici, sur ma chaîne, donc sur mon low medium, je viens compresser, ce qui veut dire que je peux enlever du volume comme un multiband compresseur, sauf que là, je vais ajouter la couleur du LA2A, ce qui n'est pas possible si on utilise un C4 ou un MB, on regarde. Pour un pont vert de RAM, que je fasse le tour d'Europe. Et que plus jeu, bien le rôle. Et par là on peut aussi enlever de la proximité en jouant avec le bouton gain ou pick reduction. On écoute tout de suite si je mets hop là il est à combien Il est à 33 si je le mets à 0. Je perds tout mais l'eau médium. Et, RAM, je et, et là que que je peux gérer ma chaleur. Je suis là pour la rare et la role, et pour la fafa, donc je la moelle et la roma. Le du destin poto, c'est pas des lol. D'accord, donc là je viens pouvoir gérer ma chaleur, ma proximité, mes trucs, avec un compresseur qui est sur cette bande-là. Ensuite, par exemple, si je veux mettre un petit chorus seulement au médium, pas sur toute la voix, seulement ciblé sur une partie de la voix, on regarde ici. Alors c'est pas la meilleure idée de mettre un chorus uniquement au médium parce que vous allez la perdre dans le mono. Bref là c'est pour l'exemple. Vous allez pouvoir tout simplement on écoute. Un bon de âme qui fasse les tours et c'est plus de bien le rôle. Faire ça uniquement sur le mono, ou alors vous pourriez le faire uniquement sur les très basses fréquences. Donc on glisse directement dessus. Et ensuite. Il faut un pont vert de RAM, que je fasse le tour d'Europe et c'est plus bien le rôle. Donc sur les basses fréquences, pas sûr que ce soit le meilleur truc à faire de mettre un chorus sur une chaîne, mais c'est pour vous expliquer. Et ensuite, il y a un autre truc qui est ultra intéressant, c'est que souvent, moi je vais vous parler de saturer les hautes fréquences pour ajouter de la brillance et de l'air. Et bien ici, tout simplement, je vais pouvoir mettre un DSR uniquement sur mes très hautes fréquences. Donc on regarde. Il faut un pont vert de RAM, que je fasse les tours d'Europe. Et que plus bien le rôle. Qui viennent nettoyer un peu, pas que ce soit trop agressif. Et derrière, je vais mettre par exemple un décapitateur. Je suis plus obligé de mettre un Saturne ou un Vitamine ou quoi que ce soit. Je peux mettre la saturation que je veux. Je peux mettre un décapitateur. Là, on voit que ça va agir que sur les très hautes fréquences. On écoute si je le mets au max. Il faut un pont vert de rame, que je passe les tours d'Europe. D'accord, ça agit que sur la bande au-dessus de 8000. On regarde ici. Pour un pont vert de rame, que je passe les tours d'Europe. Excepte du bien le rôle. Là je l'ai descendu je et, la et on regarde et ici. Les gens pour la fafa donc je pige là moi et là Rome. Le code du destin un c'est pas des lol. Si ça marche pas c'est ça je m'en vais les faire des lol. Et je vois des papas qui me disent faut faire des lol. Et donc ce multiband si je fais 100 et avec ça donne ça. Et pour un pont vert de rame que, fasse les tours et que plus, je fasse le tour d'Europe. Excepte du bien le rôle. Je suis là pour la rare et la role. Les gens pour la farfa donc je pige là moi et la Rome. Là, c'est un petit côté agressif parce que j'ai fait ça comme ça sans vraiment mixer, mais pour que vous compreniez un peu que en fait ce multiband là vous allez pouvoir gérer vos tranches de fréquence hyper indépendamment. Attention, ça peut être très destructeur si on sait pas le faire. On voit qu'ici je l'ai fait un peu à l'arrache, du coup ça, bon, je gagne de l'air, mais ça sonne un petit peu sifflant et agressif. Mais bref, il y a plein de réglages que vous pouvez faire grâce à cet outil en particulier. Donc voilà un peu la présentation de Studio Rack. Je pense que il faut bien comprendre une chose c'est que Studio Rack ça nous permet d'avoir un travail rapide. Par exemple, vous quand vous mixez, vous avez probablement l'habitude de faire à peu près toujours la même chose. Alors vous allez changer selon la prod peut-être bah justement cet effet de proximité, vous n'allez pas changer tant que ça en fait les résonances parce que si vous êtes toujours dans la même pièce avec le même micro sur la même voix, à part le changement de pitch, les résonances ne vont pas trop changer. Ensuite vous avez l'habitude d'utiliser le même DSR, la même reverb, le même truc et ben bah, pourquoi pas tout router là dedans et que vous ayez juste à bouger vos boutons pour gérer la quantité. Comme ça tout est fait et comme ça dès que vous allez lancer un mix, boum en une minute vous allez pouvoir trouver exactement le mix que vous voulez, qui vous plaît avec votre style et votre façon de mixer. Donc ça c'est ce que je propose dans ma nouvelle formation de création de presets studio rack de A à Z. En gros, je vous explique tout en détail, comme je vous expliquais là, mais comment faire des routings parfaits, des routines qui marchent vraiment à tous les coups et qui soient vraiment adaptés à ce qu'on cherche. Je pense sincèrement que mes presets studio rack c'est les meilleurs du marché. Peut-être que je peux paraître prétentieux quand je dis ça, mais après en avoir essayé plein, en fait, je me rends compte que bah ils sont souvent mal calibrés. C'est-à-dire que quand on va booster par exemple la chaleur, boum, on va gagner du volume à fond. Quand on va saturer, on va gagner du volume. Nous, ce qu'on veut, c'est garder cet équilibre de volume constant pour vraiment entendre la différence de ce qu'on fait. Et bah ça, c'est ce que je vous apprends en partie. Dans cette formation, je vais vraiment vous apprendre comment calibrer parfaitement, comment équilibrer parfaitement pour que en fait votre preset marche peu importe les morceaux que vous faites. Si vous mixez uniquement votre voix, comme ça vous pourrez vraiment adapter le studio rack à votre voix et vous pourrez vraiment avoir des résultats en deux secondes. Alors je vends des presets qui sont vraiment généraux, mais là vous pourrez adapter le preset à votre voix et à votre façon de faire, et ça c'est vraiment cool parce qu'il y a énormément de subtilités dans ce truc là. Là je vous en ai montré une partie dans ce guide, je vous en montre une autre partie, mais notamment sur la compression. Il y a vraiment des trucs que j'ai trouvé. J'en ai fait des dizaines et des dizaines de presets studio rack vraiment fait beaucoup, beaucoup évidemment. Je n'ai pas tout sorti, mais en gros, il y a plein de trucs dont je me suis rendu compte pour vraiment que ce soit calibré. Pour que la compression, par exemple, quand elle agit, et eh bah ben, on voit que là on a gardé le même volume sans et avec, juste on a la compression qui agit. Donc, ça, avoir un truc parfaitement calibré, où en fait, c'est pas chiant de à chaque fois qu'on fait un preset, l'équilibrer pendant 5 heures, 6 heures. Là, directement, si on veut faire un preset en une demi-heure, 40 minutes, on a notre preset qui est parfaitement équilibré et c'est vraiment super cool. Donc, ce guide il est dispo à gauche ou à droite. Je sais pas exactement, ça va apparaître en haut de l'écran ou alors dans la description. Vous avez évidemment un code de promo de lancement pour une semaine donc de 25 Donc vraiment profitez-en, c'est une formation, j'hésitais à la faire parce que euh, je sais que les presets ça peut être mal vu je sais qu'il y a plein de gens qui voient mal les presets mais moi je suis pas élitiste. Moi je pense que chaque artiste a le droit d'utiliser les outils qu'il veut, les outils qui marchent pour lui et que si vous voulez vous vous créez un preset pour que votre voix marche et ben bah, c'est votre problème, c'est pas le problème des, des gens qui pensent que être un c'est euh, un truc absolu et qu'il faut que tout le monde soit un ingénieur pour mixer ses morceaux. C'est pas vrai. Vous pouvez juste mixer vos morceaux en utilisant des outils simples parce que tout le monde n'a pas envie d'apprendre le mix, tout le monde n'a pas envie de faire ce métier et tout simplement les artistes ça pas envie de 10 heures à mixer un morceau, ça veut des résultats rapides. Donc ça c'est vraiment adapté à ceux qui ont cette vision là. Et euh, j'espère vraiment que ça vous plaira parce que j'ai hésité à le sortir, parce que bah en fait je livre tous mes secrets d'équilibrage de, de presets studio rack. Ça se trouve vous allez voir des gens en vendre peu à peu en France, hein, on sait pas. Ils vont copier les techniques et puis vont les faire. Mais bon, tant pis, au moins vous vous saurez les faire, et puis c'est ce qui est important. Donc merci vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir le lien dans la description, ça vous coûte rien, juste vous pourrez voir comme ça si le truc vous correspond ou non. Et puis euh, voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker suivre la chaîne c'est pas déjà fait, me suis sur Insta, je prépare bientôt du contenu, merci de m'avoir écouté, bye